Salut, c'est Paul Astron, ça va? Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Slime Rancher. Donc Slime Rancher, c'est un jeu indépendant qui est en bêta, donc avec accès anticipé, donc il est encore en développement. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce jeu parce que j'y ai joué pas mal et j'ai pas mal aimé. Alors le but est tout simple, vous voyez, il y a des slimes là. Donc ça, voilà, c'est des slimes. On peut les aspirer grâce à notre pistolet. On les met dans l'enclos. Ils vont produire des espèces de petits diamants là, des petites merdes en gros, en fait, tout simplement. Et on peut les revendre ici à la bourse, donc c'est un petit jeu d'aventure fort sympathique. Il y a quelques boss à faire et donc on va gentiment aller faire ça tous ensemble. Donc ça, c'est des slimes. Il y a plusieurs types de slimes, on va aller voir ça. Là, il y a des poules. Donc les slimes roses mangent de tout, hein. Vraiment de tout. Alors ça, c'est un truc à défi qui nous donne des ressources. On peut avoir aussi une extension par là-bas et une extension par là-bas. On verra ça par la suite. Et là, on a un peu l'endroit du mode aventure, quoi. Voilà, The Dry Reef. Donc où là, il y a énormément de slime. Nous, on va essayer de récolter de la boue vraiment et d'aller chercher des slimes. Voilà, c'est ça qui se revend. Ça se revend, on les trouve un peu partout. Voilà, Pink Plorth. Et ça, il y en a partout, donc hop, donne-moi ça. Merde. On va essayer de choper un maximum de bouffe et d'aller capturer un slime rare. Un ou deux slimes rares. Parce que les comment dire, ceux-ci-là, les pink, donc les roses, sont plutôt communs, on en trouve partout. Le poulet, j'en ai rien à foutre. Ouais, là, si on veut des pink plorques, on a juste à venir les chercher. Et là-bas, il y a un. On va aller le voir. Ça, c'est un boss. C'est un boss. Et il faudra le nourrir à fond, il va nous filer une clé. Bon, pour le moment, on n'en a pas besoin. On va déjà essayer de se faire un peu d'argent. On le fera plus tard. Donc voilà, hop. Mince. Viens là, toi. Voilà. Donc là, on a un Tabby Slime. Donc c'est des slimes. Eux, ils mangent des poulets. Je sais pas si on va le garder. J'aurais bien aimé en avoir un qui mange. Là-bas, il y a les roches. Eux, ils font mal. On va pas les prendre. Qu'est-ce que je me souviens plus qu'on a par ici? Danger de mort, ouais, ça c'est l'extension, on ira plus tard. Il faut une clé pour aller ouvrir une porte par là. On va prendre ça. On en a qu'un. On en a qu'un seul. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, ici il y a encore. Oh, quoique. On va prendre un roche là. Hop. Viens là. Un autre là. On va s'en prendre 4. C'est bien 4. Ah. On peut les croiser aussi ensemble, mais on va pas le faire pour le moment. Et là aussi, il y a un gros qu'il faudra nourrir avec de la volaille. Par là-bas, il y a une extension. Il faudra une clé. Donc nourrir un gros. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Il faudra revenir la nuit, il y a les phosphorescents qui sont intéressants. Donc pour le moment, il nous faut de l'argent. Donc on a pas mal de bouffe. Toutoutoutoum. Il n'y a pas de slime particulier ici. À part les chats là. Les rocs ils sont bien mais ils font mal dans l'enclos, vous allez voir. On va les amener à l'enclos. Pareil, on peut aller le nourrir lui directement avec tout ce qu'on a là. Et voir si on peut pas avoir une clé assez rapidement. Donc il lui faut encore à manger.
Oups là, j'ai failli tomber. Ah. Un poulet, un peu d'argent, je crois, ouais. Un tout petit peu d'argent. Il n'y a pas à manger là aussi, il y a des trucs à bouffer. On va lui donner ça au roi Slim. Encore un. Voilà. On va retourner à la maison. Poser tout ce qu'on a là. Ça on récupère, ça fera de l'argent. Les poussins on les laisse. Ça, ça fera des sous. Fait un drôle de bruit lui. Là où il n'y a rien, non. Je crois que ça c'est une future zone aussi. Ouais voilà, il y aura une future zone là. Bon, c'est pas construit mais il y aura quelque chose. Il y a eu une extension récemment, j'ai pas pu la tester encore. On verra. On la testera ensemble. Bon là-bas il y a une étoile, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un truc qui s'est produit, je sais pas trop. Ok. Ah ouais là par contre j'ai des slims. Ouais. Je vais les virer les roses. On va les vendre ça. Oh là là ils sont à 14 unités. J'espère que le son est pas trop fort. Donc voilà, ça c'est les trucs d'or, ils coûtent super cher. Ceux-là on va pouvoir aller assez rapidement les chercher. Les phosphos aussi. Ceux-là aussi. Ça, ça fait partie de la nouvelle extension, je crois. J'en ai jamais vu encore des verres. Ça, c'est le ranch. Donc là, on a les emails. Donc voilà, bienvenue, bienvenue au Farfar Ranch. La Celsi Company. Enfin, ouais, bref, on va pas tout lire, mais. Souhaite la bienvenue, tout ça. On peut dormir et faire passer la nuit. Ou alors retourner dans les enclos. Hop. Donc ça on va les virer. Aïe. On va mettre ça. Alors eux ils mangent veggie, donc des légumes. Bon, est-ce qu'on peut leur faire un toit? 425. On va faire un toit comme ça ils vont, ils s'enfuient pas. Et il leur faudra des légumes. Alors, ça coûte 250, ouais, il va nous falloir un peu d'argent. Ça, on va récupérer pour donner au gros Slim, là. S'il peut nous filer une clé, ce serait top. Oui, alors là-bas, ouais, c'est le... Il y a des petites étoiles, là, c'est le... truc qui nous explique, quoi, le tutoriel. Bon, comme j'y ai déjà joué. Alors, hop, voilà. Là, il n'y a toujours pas de... d'échange possible. Alors, est-ce qu'il y a un peu de bouffe pour nous, des trucs à prendre là? Les carottes n'ont pas poussé. Et ce jeu est disponible sur Steam, je sais pas si je l'ai dit, comme la plupart des jeux auxquels je joue. Hop, on va récupérer un peu de... là j'ai plus de place. On va aller donner ça au gros là-bas. Il va pas tarder à péter là. Encore un peu. Et il va nous filer la clé. Récupérer ça. Là ça nous permet de nous faire de l'argent sans vraiment s'embêter avec l'élevage. Toi viens là. Hop, là-bas il y a un truc. Ah, ça nous fait des sous mine de rien. En explorant un peu. Ça c'est les sources d'eau, par la suite en améliorant notre pistolet on pourra les récupérer.
Hop. Il n'y a rien là, on va aller par là-bas. Là où il y a un coq, mais j'ai pas la place. Ouais. Alors. On va pas tarder à avoir les slimes phosphorescents. Et là, normalement, voilà. Ici aussi, il y a quelque chose, on ira plus tard. Je vous montrerai ça par la suite. Ah, j'ai pas la place pour lui. On va récupérer tous les petits. La monnaie. On récupère la monnaie, on va devenir riche. Riche! La poule, tu viens là. Hop. Par là, normalement, il n'y a rien. Là, il y a le gros, mais on n'en a pas besoin. De la monnaie, donne-moi des sous. Vous voyez, là, lui vient de se transformer quand on les croise. Et ça permet en enclos de. Par exemple, admettons, lui, il va donner un tabiplore et un pinkplore à chaque fois qu'on le nourrit. Donc c'est deux fois plus rentable, mais après on peut pas les aspirer dans le pistolet. Et au troisième croisement, normalement, il devient en. Il se transforme en. En saloperie là. Je sais pas s'il va nous le montrer. Ah. Bon, tant pis, on verra ça. On verra ça plus tard. Ils vont se transformer en. Aïe. En. Je ne sais plus comment on appelle ça. Slim. Ouais, on les a pas vus encore. Enfin, on verra. Des espèces de monstres qui bouffent tout là. Et... Ils sont bien embêtants. Là, il y a toujours rien. Il est où le poulet? J'ai entendu un poulet, je suis pas fou. Allez, on va aller nourrir le gros là. On a quoi, 4 poulets à lui donner? Ça a pas repoussé là. Ah bah voilà. Et là, il va nous filer la clé. Normalement, dans un des trucs là. Là, il y a quoi? Des carottes et. Ah bah là, une luciole. Moi, bah, j'ai eu la clé, voilà. Slam Key. Donc là, j'ai une clé. Bon, ça, on va la laisser comme ça, on s'en fout. Laissez-moi partir, voilà. Donc là, on a eu une clé. Donc ce qu'on va faire, on va aller mettre tout ça dans les enclos là. Les hem-hem là, les espèces de poulets, je ne sais pas si on en a vraiment besoin. Donc par là, c'est quoi? C'est la jungle, je crois. On va aller là après. On va pas aller là-bas, on va aller ici. On va ouvrir ce côté-ci en premier. L'autre côté, je l'avais ouvert dans ma partie solo déjà, pour voir. Donc on va ouvrir ce côté-ci. Pour découvrir ensemble. Et il me semble que l'extension est dans ce coin-là en plus, donc ça pourrait être sympa. Ça, c'est les lucioles. Alors, elles rapportent pas mal, mais le problème, c'est que la nuit, elles meurent. Donc, il faut améliorer les enclos à de façon de mettre le solar shield, le bouclier solaire. On le fera par la suite. On va aller capturer des slimes sympathiques là-bas. Un petit truc qui rapporte pas mal d'argent. Je vais baisser un tout petit peu le volume. J'ai peur que ce soit trop fort. Voilà. On va vendre tout ça, on va se faire un peu de sous. Voilà, bon, on a 500, c'est pas. Les poulets, je ne sais pas ce qu'on va en faire, on va lui. Tu veux. Voilà. Hop, il l'a bouffé. Tu les manges? Allez, bouffe-les. Allez. Ils en veulent pas. On va les laisser là, les poulets. On va même laisser ça là. Ouf. On va peut-être aller le vendre quand même. On est pas riche. Hop. Et là, à cet endroit-là, on peut améliorer notre flingue, vous voyez. Donc on peut lui mettre un slot en plus où on stocke de l'eau. On peut se mettre le jetpack sur nous. Donc ça coûte 350. Le jetpack est sympa. Là, on a plus de vie. Power Core, ça nous permet de d'avoir la barre là un peu plus grande, donc de courir plus longtemps, de voler plus longtemps. Et Tank Booster, ouais, on peut mettre 30 unités de trucs. C'est ça, je crois.
Ah non, ça booste que le tank. Le tank d'eau, d'accord. Je sais pas si c'est forcément utile. Bon, on va aller ouvrir la zone là-bas. Avec 100 vies. Dès le début, comme ça on attaque. On va voir ce que ça donne. Hein. On va essayer de pas mourir. Surtout que j'ai rien à bouffer à donner aux méchants là. Je crois que c'était par là. Ensuite, c'est là. Hop, et c'est là en face, voilà. Alors, on a peut-être dû y aller le jour. Alors là, il va y avoir des monstres méchants. Voilà. Il y a rien par là aussi. Non. Voilà. Aïe, aïe, lâche-moi, lâche-moi. Voilà, parfait, on se casse. Et voilà, et ça c'est la nouvelle zone. Voilà, The Indigo Quarry. C'est la toute nouvelle zone. Donc on va essayer ça. Hop. On a perdu la clé, on arrive. C'est sympa, les petits cristaux là. La texture est vraiment pas mal. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Un pig slime. Ah, c'est ça ce que dont je vous parlais. Les tares, voilà. Et eux ils bouffent tout, les enfoirés. Aïe, reste. Viens là. Hop, on va le virer. Ils bouffent tous les slimes. Donc par là, il y a quoi? Des pogo fruits. Ah, encore un tar. On va prendre ça. Alors, boomrock large. Des trucs incandescents. Oh là, ça fout un bordel là. Il n'y a rien de particulier là après. D'accord. La zone est jolie, hein. Wesh. C'est vraiment pas mal. Ah, j'ai jeté un fruit, c'est pas grave. Ah, et là il y a un gros là, d'accord. Veggie, donc lui il va manger que des légumes. Y a rien d'autre? Bah, c'était ça la nouvelle zone, c'est nul. Y a que ça. Ah mince, mon téléphone. Hop. Donc. Il y a quelque chose là-haut, non? J'ai pas le jetpack, donc on peut pas voir. Donc lui, il nous filera une autre clé qui permettra d'ouvrir la jungle, je pense. Là, doit falloir le jetpack. Il y a quelque chose là-haut. Ça, on n'en a pas besoin. Hop. J'aurais bien aimé en avoir des comme ça, mais c'est tout seul. Là, il n'y a rien de. Il n'y en a aucun tout seul, quoi. Phosphore, on sent. Ah là. Hop, boom slim, voilà. Lui, il explose, il est pas cool, mais je sais pas ce qu'il mange, le boom slim. Mythe. Mythe, c'est la viande. Il va manger du poulet, ouais. Veggie and fruit. Il nous faudrait des lucioles. On va en faire des comme ça, voilà. Ils sont rigolos, ceux-là. Poussin, on s'en fiche. Un tar. Et là, toi. Quoique, pareil, on le laisse comme ça, il clean la zone. Et on a des nouveaux slimes. Allez, bouffe tout. On va s'échapper là-haut. Ah, il y a des carottes là. Comme ça, le tar il va tout bouffer. Il va nous clean la zone un peu. On va aller mettre notre boom slim en enclos. Par là, il n'y a rien, c'est ça? Ouais. Et puis on va aller mettre ça. Ah, il faut qu'il court là. Voilà. Hop,
La batterie se recharge. Donc là, il n'y a plus les trucs méchants, d'accord. Ici, il n'y a rien, hein. Ouais. Il n'y a rien, ok. Y a rien de particulier là, non. C'est dommage, on n'a pas vu. Y a des slims sympas, mais il doit être côté jungle, pas côté truc bleu. C'est dommage. Alors, il y a des caisses là. Qu'est-ce qu'il y a? Des poulets, ok. Je n'en ai pas besoin. Les lucioles. Ouais, ok, on s'en fout. Après, dans les caisses, c'est le seul moyen d'avoir des fraises et tout ça. Alors, là, on a quoi? On a les roches. Eux, ils mangent veggie. Si je les combine à ça. Parce que lui, il mange myth. Myth. Alors, myth, myth, myth. C'est les poulets que j'avais là-bas. Ils m'ont tout bouffé déjà, c'est ça? Ouais, ils ont tout bouffé. Ils sont cool. Après, les enfoirés. Ils se sont régalés. Y'a pas du poulet par là? Ouais, les carottes. Ok! Ah, ouais, bah il l'a bouffé. Ouais, tant pis. On verra ça la prochaine fois. On va aller balancer tout ça dans l'enclos là. On va se faire des sous un peu. Calmez-vous. Parce que quand ils ont pas à bouffer, faut savoir qu'ils sont un peu actifs et ils s'énervent. Et toi, Mythe, ouais, bah, faut que je te croise à quelque chose, toi. Si je le croise à ça, il bouffera de tout. On va le croiser à ça. Mange ça. Hop, là il est croisé, voilà. Et là il mange tout. Diet everything, donc ça veut dire il mange tout. Tiens, prends des carottes, Jackie. On va lui filer des carottes. Hop, là on va leur filer des carottes aussi. On va récupérer ça. Aïe. Oh, reste là. Faut lui mettre un toit lui. Ah, je peux pas. Est-ce que je peux mettre une barrière en plus? Non. Je vais aller vendre ce que j'ai, voir. Est-ce que je peux lui mettre un toit? En vendant tout ça. Ouais. C'est 450, je crois, j'ai passé. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Hop. Donne-moi ça aussi. Pam 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 pam. Ah, ceux-là, si on arrive en... Ils valent 51, le gros là-bas au fond, il va nous en donner. Je crois qu'il en a donné quelques-uns. Hop. Ah, parfait. On va lui mettre un hairnet. Voilà. Hop, voilà, comme ça il explose, mais il saute pas par-dessus. Parfait. Lui, vu qu'il bouffe de tout, je préférais lui filer des pogo slim. Et je vais leur filer les carottes à eux. Voilà, parfait. Hop. Toi, viens là. Poum. Il a faim, lui. Voilà, parfait. Hop, viens là. Hop, de l'argent, de l'argent. T'as pas mangé, toi? Mange. Bon, après, on l'a croisé avec un rose, on a la simplicité de la nourriture, mais on gagne un peu moins d'argent. Après, si on croise un comme ça et un or, par exemple, là, les sous qu'on peut se faire. Voilà, mais en or, j'en ai jamais vu encore. On essaiera d'en trouver ensemble. Mes amis, je vais vous laisser là.
Je vais vous dire à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Paul Astron, je vous dis à la prochaine. Ciao!